Ce matin, vous l'avez remarqué, c'est un sabbat spécial. Nous avons la joie d'accueillir ici à Collonges entre 50 et 60 frères et sœurs, sourds ou malentendants. C'est un sabbat qui représente l'occasion pour les personnes sourdes de différents groupes ou pays de se rencontrer, de se ressourcer, d'échanger, d'apprendre des uns des autres, pour s'encourager mutuellement en tant que disciples du Christ. Il y a plusieurs pays qui sont représentés, la Suisse, le Brésil, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Venezuela, la France et les États-Unis. Soyez les bienvenus. L'Église adventiste mondiale a donc un ministère auprès des sourds, au niveau bien sûr de la conférence générale. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur donc d'accueillir le responsable de ce département, qui est le pasteur Larry Evans. Merci beaucoup. Au niveau de notre division, les coordinateurs du ministère auprès des sourds de la division inter-européenne est le pasteur Corrado Cozzi. Merci d'être là et de soutenir ce ministère si précieux. Plus proche de nous, au niveau de la Fédération France-Sud, des églises adventistes, eh bien, là aussi, il y a un département, en fait, c'est une association qui exerce ce ministère auprès des sourds. L'association s'appelle Signe d'Espérance et la responsable est Valérie Lefebvre. Nous nous remercions aussi d'être parmi nous. Merci aussi à Marjorie et à Myrna Sejor pour la traduction en langue des signes. C'est un grand travail et nous les remercions infiniment pour tout le travail qui est fait et qui était fait au niveau de la préparation de cette journée. Je vous invite maintenant à vous recueillir pour invoquer la présence de notre Seigneur. Ô Dieu, accorde-nous ton appui et bénis-nous. Fais-nous bon accueil. Ainsi l'on saura sur terre comment tu interviens. On saura parmi toutes les nations que tu es le Sauveur. Que les peuples te louent, Dieu. Que tous les peuples te louent. Que les nations expriment leur joie par des cris. Car tu juges les peuples équitablement. Et sur la terre, tu conduis les nations. Oui, que Dieu nous bénisse. Et que les peuples les plus lointains reconnaissent son autorité. Bonjour, je suis heureuse d'être ici ce matin avec vous. Et pour commencer, nous allons ouvrir les yeux de notre cœur afin de pouvoir glorifier Dieu.
J'invite l'Assemblée à prendre place. Et j'invite les enfants à monter sur l'estrade, car c'est le moment d'une parole qui leur est adressée, de manière toute particulière par Dominique Thaune et Marie-Lyn Dangelzer, Noé, un homme de foi. Donc les enfants sont invités à monter pour la parole qui les concerne. Noé, un homme de foi. Noé, un homme de foi. Allez-y. Noé et le déluge. Il y a très longtemps, sur la terre, Dieu vit que les hommes étaient très méchants. Chaque jour, ils ne faisaient que des choses mauvaises. Ils adoraient de faux dieux, ils volaient, ils mentaient. La jalousie avait rempli leur cœur. Les mamans, les papas, les amis ne s'aimaient plus. Et les enfants étaient tristes. Les enfants se bagarraient. Il y avait le mal dans tout. Partout. L'Éternel regretta d'avoir créé l'homme. Il était déçu de voir comment il vivait. Mais le seul homme qui aimait Dieu et qui lui obéissait, c'était Noé. Il était droit, il marchait avec Dieu chaque jour. La terre était remplie de violence, et Dieu dit, « Je vais détruire tout ce qui vit sur la terre. » Mais Dieu aimait spécialement Noé et sa famille. Et Dieu dit, la fin des hommes est arrivée, je vais détruire la terre avec eux. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche en bois de cyprès, une sorte de grand bateau à 3 étages. Noé se mit à construire un grand bateau. Certains habitants sont venus l'aider à construire l'arche. Noé prêchait en leur disant, « Dieu va envoyer le déluge, arrêtez de faire le mal, arrêtez d'adorer de faux dieux. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu pour tous vos péchés. Marchez avec Dieu et vous serez sauvés. » Mais les hommes n'écoutaient pas, ils avaient refusé le message de Dieu. Certains hommes avaient travaillé pour de l'argent et d'autres se moquaient. De qui ? De Noé. Ils se moquaient de Noé. Ils disaient, « Il est fou ! Ha, ha, ha !» Le bateau est fini. Certains ouvriers partent avec leur argent et d'autres continuent de se moquer de Noé. La porte de l'arche reste ouverte comme pour inviter chacun à entrer et à trouver la sécurité.
mais personne ne vient. Pendant 120 ans, Noé a prédit le déluge, la destruction de la terre entière, mais personne n'y a cru. C'était triste. Ah, il y a une... Voilà. Maintenant, les animaux arrivent par couple. Comme Dieu l'avait dit à Noé, deux par deux. Deux chevaux. Deux moutons. Deux éléphants. Deux chats, deux canards, deux oiseaux, deux grenouilles, deux papillons. Les habitants regardent les animaux entrer dans l'arche avec étonnement. Et Noé, il continue à prêcher. Un grand déluge arrive bientôt. Le monde entier va périr. Les animaux sont venus se réfugier. Voyez, ils comprennent. Venez. Venez avant qu'il ne soit trop tard. Les habitants ont entendu l'appel de Noé, mais ils n'ont pas répondu. Ils ont préféré de continuer à vivre en faisant le mal. Noé les quitta. Il entra dans l'arche avec sa femme, ses fils, les femmes de ses fils. Et puis Dieu ferma la porte de l'arche. Un jour, il ne se passe rien. Deux jours, rien du tout. Trois jours, et puis quatre, et puis cinq, six. Et le septième jour, le déluge arriva. La pluie tomba pour la première fois. Noé ne s'était pas trompé. En ce jour-là, toutes les sources des profondeurs de la terre jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les rues et les toits des maisons étaient recouverts d'eau. Les habitants montaient sur de grands arbres, sur les montagnes. Mais l'eau montait de plus en plus, puis tout fut recouvert d'eau. La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits. Tous ceux qui n'étaient pas entrés dans l'arche moururent. Les animaux, les mamans, les papas, les vieillards, les enfants, il ne restait que de l'eau à la surface de la terre. Au bout de 40 jours, la pluie cessa de tomber. Noé lâcha un corbeau qui revient dans l'arche, car il y avait de l'eau partout. Il lâcha une colombe qui revint aussi. Il y avait encore de l'eau partout. Noé attendit 7 jours encore et lâcha une colombe qui revient le soir avec une feuille d'olivier dans son bec. Il attendit encore 7 jours. Il lâcha une autre colombe qui ne revient plus parce que la terre avait séché. Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche, toi, ta famille et les animaux. » Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit quelques animaux purs et il les offrit en sacrifice. Dieu accepta l'offrande et il dit, je ne détruirai plus la terre par les eaux, ni les mamans, ni les papas, ni les mamies, ni les papis, ni les enfants, ni les animaux. Dieu dit à Noé et à sa famille, j'ai placé mon arc dans le ciel, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre.
Parfois, quand nous regardons le ciel, nous voyons un bel arc-en-ciel. Eh bien, cet arc-en-ciel, il nous rappelle cette alliance. Voilà les enfants, l'histoire est terminée. Passez un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Il nous faut croire en lui.
Le livre des Proverbes, au chapitre 22, nous dit « Donne des bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. » Et ensuite, « L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent. » La bienveillance, la générosité, c'est quelque chose qu'on apprend et c'est quelque chose qu'on enseigne. Et nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné la possibilité d'apprendre de lui et de transmettre cet enseignement aussi à nos enfants. J'invite les diacres à passer pour recueillir nos offrandes et nos dîmes. C'est le moment de la prière pastorale. Je vous invite à assumer la position qui vous convient. Notre Père, notre Dieu, Créateur de l'univers, nous te remercions pour ta bienveillance. Nous te remercions pour la paix. Nous te remercions de nous avoir accueillis ce matin dans ce lieu. Nous qui venons des quatre coins du monde pour nous retrouver ici en tant que frères et sœurs. Certes, différents les uns des autres. Certes, chacun avec sa propre croix. Et pourtant, Père, avec toi, c'est possible. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ, celui qui nous réconcilie avec toi, celui qui a franchi la barrière de la mort pour nous montrer qu'en lui, nous pouvons vivre avec toi dans l'éternité. Merci parce que sa présence aujourd'hui et dans notre vie et dans notre foyer nous permet, Seigneur, de vivre différemment, de bâtir notre maison sur le rocher. Merci Seigneur parce que tu nous protèges du mal. Merci parce que tu nous appelles à être engagés. Engagés dans la bonne nouvelle, qui est d'abord une chose que l'on vit,
par l'accueil, par le pardon. Mais aussi, Seigneur, par des exigences qui sont très élevées, il est vrai. Mais qui sont là pour nous montrer quelle est la voie et aussi quel est le besoin que nous avons de toi. Seigneur, nous te remercions pour nos invités, nos frères et nos sœurs malentendants qui nous honorent aujourd'hui par leur présence. Que ce ministère qui leur est consacré puisse être béni et soutenu. Nous te remercions, Seigneur, pour les responsables de l'Église, locale et mondiale. Puisses-tu, Seigneur, les protéger, les inspirer de leurs tâches et qu'ils puissent être soutenus par les prières et par la bienveillance de tous les membres. Seigneur, nous te prions aussi de bénir ceux qui sont en contact avec nous par Internet, ceux qui nous suivent depuis leur maison ou peut-être depuis une chambre d'hôpital. Seigneur, puisses-tu les visiter, les rendre conscients et profondément convaincus de faire partie de ton Église, soit-elle visible ou invisible. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains cette offrande, ces dîmes, cet argent qui puisse être utilisé avec des bons propos pour des projets qui soient selon ta volonté, administrés par des mains honnêtes et consacrées. Seigneur, nous te prions de bénir aussi le pasteur Trexler et le pasteur Griffith qui vont partager ta parole aujourd'hui. Que ton esprit soit sur eux. Tu l'étais sans doute pendant tout leur ministère. Tu l'es encore aujourd'hui. Et nous te remercions parce que nous avons la joie de les avoir parmi nous aujourd'hui. Puisse leur parole se frayer un chemin dans notre conscience et que le Christ soit révélé aussi par leurs propos. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui écoute nos prières. Et avec cette certitude, nous te rendons un culte spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. Un espoir pour aujourd'hui et pour demain. C'est le titre du message spirituel qui nous sera donc adressé par le pasteur David Trexler et Alfred Griffith, que j'invite donc à monter sur l'estrade. Le pasteur David Trexler est donc un pasteur sourd adventiste retraité. Pasteur David est un orateur apprécié et il est aussi directeur du ministère Three Angels Deaf Ministries qui donc a lieu aux États-Unis et c'est donc le ministère auprès des sourds des trois anges. Le pasteur entendant adventiste retraité Alfred Griffith, par contre, il n'est pas malentendant, mais depuis sa plus tendre enfance, il a appris à traduire en langage des signes, car ses parents étaient sourds. Donc il est toujours traducteur de langue des signes américaine, en anglais, bien sûr. Il est aussi orateur apprécié et assistant de John Blake, qui travaille donc pour le Gospel Outreach du Canada. C'est sans tarder, donc sans autre, que je leur laisse la parole et je les remercie encore une fois d'être parmi nous.
he's going to preach without. What this morning? Okay. Je vous invite à avoir encore quelques secondes de patience. Ce matin, ça marchait très très bien. On avait fait l'essai avant l'école du sabbat, donc on n'est pas en train d'improviser. C'est juste un problème qu'on n'arrive pas à comprendre. Et on transfère le fichier d'un Apple à l'autre. Et donc voilà, je pense qu'on est prêt. Merci. Je suis désolé pour ces problèmes techniques. On avait tout testé ce matin et ça fonctionnait bien. Merci au Seigneur pour le pasteur Corrado et son ordinateur. Prions ensemble.
Notre Père qui est dans les cieux, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, nous voulons te remercier d'être présent avec nous aujourd'hui et pour ta Sainte Bible. Aide-nous à mieux te connaître. Nous te demandons de nous bénir. Au nom de Jésus, Amen. Voici la photo de Jésus-Christ avec plusieurs drapeaux. Je suis ici à cause de notre camp meeting pour les sourds. Des sourds sont venus de différents pays pour se rencontrer. Nous voulons vraiment tous rencontrer Jésus. Nous avons différentes langues ici avec différents interprètes. Je signe dans la langue des signes américaine. C'est traduit en anglais. Il y a d'autres interprètes ensuite en français, en espagnol, en allemand. Nous sommes reconnaissants au Saint-Esprit de venir et de bénir chacun d'entre vous. Espoir pour aujourd'hui et pour demain. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Quel est le signe pour la foi en allemand? Le signe de la foi en français? Je voudrais vous montrer maintenant une image. Alors vous voyez la corde et des gens qui sont accrochés à cette corde. Et ils montent la corde. Pour nous, la foi en signe, c'est s'accrocher à la corde. Un autre mot, c'est la confiance. Nous avons une chaise ici.
Et je vous demande, est-ce qu'on peut faire confiance à la chaise ? Est-ce qu'elle va s'écrouler ? Alors, je vais faire confiance à la chaise. Elle ne s'est pas écroulée, elle ne s'est pas cassée. Est-ce que vous avez foi en Dieu ? La foi, c'est être sûr des choses qu'on espère. Et la foi signifie savoir que quelque chose est réel, même si on ne le voit pas. La foi signifie être sûr des choses qu'on espère. La foi signifie savoir que quelque chose est réel, même si on ne peut pas le voir. Est-ce que vous voyez le ciel maintenant ? Non. On ne le voit pas physiquement, mais on croit au ciel. Mais nous faisons confiance à la Bible, nous avons foi en la Bible, qui nous parle du ciel. En qui avons-nous confiance ? Il nous donne sa main et nous pouvons nous y accrocher. Est-ce que vous avez foi en Dieu ? Est-ce que vous avez confiance en Dieu ? Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle à votre égard ? Dieu a déjà tenu ses promesses pour nous. Est-ce que vous pouvez dire que vous faites confiance en ses promesses ? Est-ce que vous faites confiance à Dieu ? Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle envers vous ? Est-ce que Dieu est digne de confiance ? Ce matin, on peut dire oui. Oui. C'est une chose de dire oui et c'est une autre chose de le faire. Je peux dire, je crois en Jésus, mais est-ce que j'agis en tant que croyant, en tant que chrétien ? J'aimerais partager avec vous une histoire d'un homme. Quelqu'un peut deviner qui est cet homme ?
Daniel. Vous connaissez bien l'histoire de Daniel ? La ville de Jérusalem a été détruite. Les Babyloniens sont venus et ont pris des captifs. Et les gens ont posé la question, mais où se trouve Dieu ? Dieu, tu es supposé nous aider et nous protéger pour tenir Babylone loin de nous ? Mais Dieu a dit, si vous m'obéissez, je vous protégerai. Si vous me rejetez, alors je ne peux pas vous protéger. Daniel était jeune, un bon garçon. Il avait une foi forte en Dieu. Il était un captif qui devait parcourir un long trajet. Mais où est Dieu ? Est-ce que Daniel a dit, ok, je laisse tomber Dieu ? Non, il a fait confiance à Dieu. Où est l'espoir, l'espérance ? Où est mon foyer ? Il est détruit et je regarde vers l'avenir. Mon espoir est parti. Mais non, Daniel n'a pas pensé ainsi. Son esprit, son cœur avait confiance en Dieu. La foi de Daniel a été révélée dans le fait qu'il avait vraiment confiance en Dieu au travers de ses actions. Quand il s'agissait de manger, il s'agissait de manger le repas du roi et en tant qu'esclave, le roi leur avait ordonné de manger ce repas. Je vous donne vraiment un très bon repas. Et Daniel a dit, non, je ne peux pas manger ce repas. Vous savez que si vous dites non merci au roi, il peut être très en colère et vouloir vous détruire, vous tuer. Mais Daniel n'avait pas peur parce qu'il avait foi en Dieu. Alors que les aliments du roi ont été mis de côté, Daniel a pu avoir les aliments de Dieu. Alors Dieu a béni Daniel. Parce que Daniel avait mis Dieu en premier lieu.
Mais Daniel résolut de ne pas prendre les mets du roi ou du levain qu'il buvait. Notez le mot résolution, résolu. C'est vraiment une très forte décision. Il n'a pas hésité. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas sûr. Peut-être que... Il a simplement pris une décision claire. Daniel avait confiance en Dieu. Vous connaissez l'histoire du rêve du roi. Le roi était en colère parce que ses magiciens ne pouvaient pas dire le rêve. Il disait, on ne peut pas te dire à moins que tu nous dises. Et le roi ordonnait leur mort. Mais Daniel est venu. Attendez une seconde. Les soldats ont dit à Daniel, le roi a ordonné votre mise à mort. Et Daniel a répondu, laissez-moi parler au roi d'abord. Daniel devait faire confiance à Dieu, et il l'a fait. Il y a un Dieu dans le ciel. Qui révèle les mystères et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar, ce qui va se passer dans les derniers jours. Le roi a attendu que Daniel, dans sa prière, qu'il reçoive la réponse et qu'il comprenne la vision. Et le roi a dit, qu'est-ce que tu as à me dire? Et Daniel n'a pas dit, j'ai la réponse. Non, Daniel a dit, le Dieu du ciel a révélé ses mystères. Pas moi, mais Dieu. Daniel avait confiance en Dieu. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Les amis de Daniel, le roi leur a ordonné de s'agenouiller et d'adorer la statue. Apparemment, Daniel était parti travailler à un autre endroit et il y avait ses trois amis. Devant l'image du roi. Et quand vous entendez la musique, vous deviez vous agenouiller et adorer.
et les trois jeunes sont restés droits, debout, tandis que les autres s'agenouillaient. Avaient-ils peur? Non. Non, parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi: Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce sujet. S'il doit en être ainsi, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais si ce n'est pas le cas, sache que, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas les images que tu as établies. Et bien sûr, les soldats avaient fait un rapport au roi que les trois jeunes ne s'étaient pas agenouillés devant l'image. Le roi était en colère contre cette rébellion et appelait les trois jeunes à venir se présenter devant lui. Le roi leur a donné une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin d'autres possibilités. Nous te remercions, mais nous n'allons pas nous agenouiller de toute façon. Parce que nous avons confiance en Dieu. Et même si nous sommes envoyés dans le feu, nous garderons confiance, notre confiance en Dieu. Même si je meurs, ou que je vive, je ferai confiance à Dieu. Quel courage! Vous et moi, nous sommes libres. Libres de choisir comment nous pouvons adorer. Ils ont eu confiance, ils ont eu foi en Dieu. Et bien sûr, le roi a ordonné aux soldats de les jeter dans la fournaise, dans le feu. Ils auraient dû mourir, mais le roi voyait quatre hommes dans le feu. Alors, il leur a demandé de sortir du feu. Et les trois Hébreux n'étaient pas brûlés. Dieu a sauvé ces trois hommes à cause de leur foi. Année après année, Daniel a pris de l'âge. Another nation taken over Babylon.
et les Mèdes et les Perses avaient repris Babylone. Daniel avait été promu. Et quelques-uns de ses collègues, à cause de ça, étaient jaloux. Ils ont cherché un moyen pour détruire Daniel. Ils se sont présentés devant le roi avec un plan disant « On veut t'honorer ». La loi sera pendant 3 jours que tout le monde adore le roi. Et rempli d'orgueil, le roi a signé la déclaration. Et la nouvelle loi a été annoncée par les ennemis de Daniel. Et en dépit de cette loi, Daniel s'est levé et a continué à prier 3 fois par jour. Est-ce que Daniel avait peur à cause de cette nouvelle loi? Est-ce qu'il a fermé les fenêtres et les portes et s'est agenouillé dans l'obscurité? Il a prié en fait librement et les ennemis de Daniel ont fait un rapport au roi en disant ce que Daniel faisait. Quand Daniel sut que le document avait été signé, il rentra chez lui où il avait ses fenêtres dans la chambre haute tournées, ouvertes et tournées vers Jérusalem. Et il s'agenouilla sur ses genoux 3 fois par jour et pria et rendit grâce à Dieu de ce qu'il avait fait auparavant, de ce que Dieu avait fait auparavant. Daniel a été mis dans la fosse au lion. On avait fait en sorte que les lions soient affamés. Mais Dieu a envoyé des anges qui ont fermé la gueule des lions. Et Dieu a honoré la foi de Daniel. Daniel dit au roi, « Ô roi, vis éternellement. » Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Et ils ne m'ont pas fait de mal. Parce que je n'avais fait aucune faute devant lui. Et aussi devant toi, ô roi, je n'avais fait aucun mal. Daniel avait confiance en Dieu. Sa foi a été révélée au roi. Et le roi était vraiment très impressionné par la protection que Dieu avait accordée à Daniel. Moi, Daniel, je vis
dans les livres le nombre d'années que, selon la parole que Dieu avait donnée à Jérémie, le prophète. Le nombre de jours qui devaient passer avant le temps, avant la fin du temps de désolation de Jérusalem, c'est-à-dire 70 ans. Daniel étudiait la Bible et il a compris la prophétie de Jérémie. Jérémie avait déjà écrit une prophétie concernant Babylone. À propos de l'arrivée des Babyloniens et l'envoi en captivité des Israélites. Daniel avait étudié cela, il avait compris. Que Babylone serait puissante pendant 70 ans. Après ce temps, je viendrai vers vous qui vivez à Babylone. Je tiendrai ma promesse de vous ramener à Jérusalem. Je sais parce que je connais les plans que j'ai faits pour vous, dit le Seigneur. J'ai de bons plans pour vous. Je n'envisage pas de vous faire du mal. J'envisage de vous donner l'espérance et un bel avenir. Comme il avait étudié la Bible, Daniel connaissait les prophéties et il pouvait avoir confiance en Dieu. Nous avons... Quelle est votre espérance ? La promesse de Jérémie, c'est que plus personne n'enseignera son voisin ou son frère en disant « Connais le Seigneur » parce qu'ils me connaîtront tous. Depuis le moindre de parmi eux jusqu'au plus grand, déclare le Seigneur. Car je pardonnerai leurs péchés et je ne me rappellerai plus de leurs fautes. Dieu a promis, Dieu nous a promis à vous et à moi. Nous pouvons regarder à ses promesses. Que si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera. Vous croyez à cette promesse ? Si vous ne croyez pas à cette promesse, il n'y a plus d'espoir. Il me reste peu de temps, donc je vais passer quelques versets. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu maintenant. Et ce que nous serons n'a pas encore été révélé, n'est pas encore apparu. Mais nous savons que quand il apparaîtra, nous serons comme lui.
parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque croit, espère en lui, ainsi se purifie comme lui est pur. Quelle belle promesse! Est-ce que vous voyez l'espérance dans ce verset? Tandis, quand nous nous connectons avec notre Dieu, vous et moi, nous avons l'espérance. Sans faire confiance à Dieu, nous n'avons plus d'espérance. Que Dieu soit loué pour cette promesse. Il y avait en 1982 un accident d'avion. En janvier, il faisait très froid. Il neigeait et il y avait de la glace dans l'eau. À Washington, dans la ville de Washington. Le vent avait couvert de glace l'avion, et quand l'avion a décollé, l'avion le pilote a perdu le contrôle et l'avion s'est écrasé dans la rivière. Il a été cassé en plusieurs morceaux. Plusieurs sont morts sur le coup, mais certains étaient encore vivants. Ils ont enlevé leur ceinture et se sont retrouvés dans l'eau. Des personnes qui roulaient sur le pont se sont arrêtées pour donner de l'aide. Les gens qui étaient dans l'eau avaient vraiment très froid. Un hélicoptère est arrivé. Pour sauver ces gens à l'aide d'une corde. Et les gens avaient besoin d'aide. L'hélicoptère a pu déplacer un certain nombre de personnes. Il y avait un homme qui était dans l'eau. Qui aidait les gens à mettre leur protection de sauvetage et être sauvés ainsi. Il disait, ne me prenez pas, il faut que j'aille, que je retourne et que je sauve davantage de gens. Mais l'équipage de l'hélicoptère disait, non, il faut que vous veniez maintenant. Il ne restait plus qu'une personne à être sauvée. L'hélicoptère l'a pris. Le sauveteur, le dernier, a perdu la vie. Jésus a dit, je ne veux pas me sauver moi-même, je suis prêt à mourir pour tous les hommes, pour toutes les femmes de la terre. Jésus-Christ avait la foi dans le Père. Et maintenant, vous et moi, en tant que pécheurs,
Nous pouvons mourir, mais nous pouvons aussi avoir foi en Jésus pour accepter son pardon. Et par son pardon, nous pouvons être ressuscités pour la vie éternelle. Car Jésus-Christ aime chacun de vous, de tous les pays. Est-ce que vous voulez avoir foi en Christ ? Prions ensemble. Ô notre Père dans les cieux, je te remercie beaucoup pour ton immense amour. Tu as révélé ton amour. Nous avons péché si souvent. Aide-nous à avoir foi en toi. Parce que Jésus est mort pour nous. Pardonne-nous nos péchés. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit vienne dans nos vies, dans nos esprits et dans nos cœurs, afin que nous puissions grandir comme lui. Nous avons besoin de ton espérance dans nos cœurs. Et que cette espérance dure jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous te remercions encore au nom de Jésus. Amen. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies.
j'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Et chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Dans tes voies, chaque instant à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance. C'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen.